Alloué, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ce culte de Pentecôte. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte de Pentecôte où nous célébrons la venue, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons un Dieu fidèle qui promet et qui réalise. Et le Saint-Esprit est venu afin que nous puissions avoir le courage, la puissance, le feu pour aller gagner le monde. Parce qu'au fait, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Donc, il veut dire que nous devons moissonner, gagner des âmes, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous voulons passer à la parole du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu de nous édifier, de nous fortifier au travers de cette parole que nous voulons écouter. Prions, mes bien-aimés, prions. Robo shite yama sante baba. Lobo konto shite. Mandebo konto la baba baba. Masonto bo shite. Mandebo konto shite ya baba. Mandebo sayaba kante le bo shite ba sandebo. Riba ba kante le bo shite. Mandebo shike ya baba baba. Robo shite vele. Yondo shike ya baba baba. Yondo shike ya ma sante bere bere. Yondo shike ya baba baba. Yondo shike ya ma sante bere bere. Yondo shike ya baba sante bere. Yondo shike ya baba baba. Robo shike ya ma sante bere. Yondo shike ya ma sante bere. Yondo shike ya ba sante bere. Yondo shike ya ka baba. Yondo shike ya baba. Baba, yondo shike ya ma sante bere, yondo shike ya baba baba, yondo shike ya ma sante bere, yondo shike bere bere bere, yondo shike ya baba baba, yondo shike ya ma sante bere bere, yondo shike ya baba baba, robo shike bere, mande bo konto shike bere, yondo ko ya ba sante bere, makante rebo. Nous prions que tu nous parles, Seigneur. Nous prions que tu nous fasses du bien, ô Dieu, au travers de ta parole, au travers de ta parole, au travers de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la Pentecôte, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que tu nous édifies, que tu nous fortifies. Au nom de Jésus, nous recommandons ta servante par qui tu veux nous parler, Seigneur. Robo Shinte Ababa, mets ta parole dans sa bouche. Mets tes paroles dans sa bouche. Nous soyons édifiés. Qu'elle soit un instrument que tu vas utiliser puissamment cet après-midi pour toucher des vies, pour toucher des milliers de vies, tous ces mondes qui nous suivent partout dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, qu'ils soient touchés par cette parole. Père, que tu nous fasses du bien. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te désirons, ô Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, ô Éternel, notre roi. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur, et nul ne peut se comparer en toi. En ces jours, Seigneur, nos cœurs te désirent encore, Saint-Esprit. Nos cœurs te désirent un nouveau départ avec toi, une nouvelle profondeur, une nouvelle dimension dans la prière, dans la parole, dans la consécration. Nous voulons aller dans tes profondeurs, Saint-Esprit. Enflamme-nous et dépose en nous ce feu pour gagner le monde. Père, je bénis ce moment où nous voulons recevoir ta parole. Parle à nos cœurs, que cette parole vienne encore nous enflammer et nous booster, Seigneur. Oins l'instrument par qui tu veux nous parler cet après-midi. Que des vies soient bénies, que des familles soient bénies. Que des ministères soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous apprêter.
Et c'est en ce jour, nous serons bénis par la servante du Seigneur, Maman Maggie, qui va nous apporter la parole. Maman, que Dieu vous bénisse. À vous la parole. Merci, pasteur, pour cette opportunité que tu m'accordes de parler de la part de notre Seigneur à tout le monde. Shalom, tous les bien-aimés. Nous allons partager ensemble ce moment. Un peu de mots que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, je vais le partager avec tout le monde et ça va nous faire du bien, ça va nous bénir, ça va bénir tout le monde. Amen. Alors, sans toutefois tarder, je bénis d'abord le Seigneur. Encore une fois, Seigneur, je te bénis, mon Dieu, pour cette occasion que tu me donnes de parler de ta part. Je veux que toi tu parles et que moi je puisse disparaître. Saint-Esprit, parle. Je vais être en feu. Je vais faire jaillir des flammes de feu qui enflamment ton peuple. Parle, Seigneur, que moi je puisse disparaître, que toi seul tu puisses apparaître, que toi seul tu puisses édifier ton peuple, que toi seul tu puisses mettre des mots dans ma bouche, des mots qui vont édifier ton peuple. Et pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vais lire un peu, je vais donner des passages de la Bible, mais je vais lire deux versets seulement. Les autres versets, je vais donner seulement, vous allez lire à la maison. Alors, j'ai donné le titre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, on célèbre la Pentecôte, c'est l'effusion même du Saint-Esprit, mais moi, j'ai voulu commencer un peu au début. Alors, je vais donner comme thème à ce message d'aujourd'hui, chercher la plénitude du Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre notre Bible. D'abord, avant de lire le message, je vous donne déjà, je vais vous donner Josué 1, 4 à 9 et 18. Et puis Actes 1, 4 et 8. Moi, je vais lire Actes 1, 4 et 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Et le verset 8, mais la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le passage que je viens de lire. Et mon terme est se chercher la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Pour bien faire passer mon message, je vais faire le parallélisme avec l'Ancien Testament pour que vous puissiez comprendre le message d'aujourd'hui. Alors, la Bible dit, Jésus-Christ, après la résurrection, il est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Et avant maintenant de monter au ciel, il leur a dit ceci: allez dans toutes les nations, prêchez la parole, apportez la bonne nouvelle à toute la création. Mais il dit ceci: attendez, ne quittez pas la ville. Attendez, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins partout au monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout au monde. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons ceci. Moïse
Tout le monde connaît Moïse. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Moïse, c'est lui qui devait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte jusque dans la terre promise. C'était Moïse. Et Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël, mais il n'est pas arrivé dans la terre promise. Donc Moïse n'a pas accompli sa mission. Parce que le peuple d'Israël que Moïse conduisait se révoltait à tout moment. À tout moment, il devait se révolter. Toutes les fois qu'il était devant un obstacle, il devait se révolter contre Moïse. Toutes les fois qu'il rencontrait un obstacle, il devait se révolter contre Moïse. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont encore rencontré un obstacle, c'était il manquait de l'eau à boire. Ils avaient besoin de l'eau. Et comme d'habitude, ils sont encore révoltés contre Moïse. Mais cette fois-ci, Moïse a perdu la force, n'a pas pu supporter les caprices du peuple. Moïse a perdu la force de supporter, donc la force qu'il avait dès le début, il a perdu cette force de supporter les caprices du peuple. Moïse, dépassé, il a perdu la force. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Sous la colère, il n'a pas cru à la parole de Dieu. Au lieu de parler au rocher pour que les rochers puissent donner de l'eau, Moïse, sous la colère, il a frappé deux fois avec le bâton qu'il avait. Il a frappé deux fois le rocher et l'eau est sortie. Cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a dit, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Ce n'est plus toi qui vas arriver avec le peuple d'Israël dans la terre promise. Moïse a raté d'arriver là-bas dans la terre promise parce qu'il a manqué la force. Il a manqué la force de supporter les caprices du peuple. Il a perdu cette force. Il a manqué la force de supporter les caprices du peuple. Il n'est plus arrivé dans la terre promise. C'est ainsi que quand Josué a pris les relais, je m'excuse, c'est ainsi que quand Josué a pris le relais, Dieu a insisté auprès de Josué. Dieu a insisté auprès de Josué en disant ceci, en disant à Josué qu'il veille à ce qu'il soit fort. C'est alors qu'il va arriver en Canaan. Dieu a insisté auprès de Moïse, auprès de Josué, pour qu'il veille à ce qu'il soit fort. C'est alors qu'il peut arriver en Canaan. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, à quatre reprises, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui vas amener ces peuples. C'est toi qui vas amener ces peuples dans la terre promise. Il dit encore, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui vas amener ces peuples là-bas. Fortifie-toi et prends courage en agissant selon toute la loi de Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Il dit, n'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est toi. Fortifie-toi. Dieu a répété à presque quatre reprises. À quatre reprises, il a répété, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Bien-aimé, c'était seulement l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Dieu faisait allusion au Saint-Esprit qui allait être répandu
pendant ce temps ici que nous, où nous sommes, Dieu faisait allusion au Saint-Esprit qui allait être répandu sur toute chair dans le dernier temps. Amen. Il est écrit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Dieu faisait allusion au Saint-Esprit qui devait être répandu sur nous. Dieu veut nous montrer ceci. Il voulait montrer que nous qui sommes de la génération de maintenant, nous qui sommes, nous qui vivons maintenant le temps du Saint-Esprit, je me répète, il voulait seulement dire ceci. Nous qui vivons maintenant le temps du Saint-Esprit, nous de cette génération, donnons une place, donnons au Saint-Esprit une place importante. Donnons au Saint-Esprit une place importante pour être efficace, Amen. Pour voir la réussite, pour impacter dans tout ce que nous allons faire. Donner une place importante au Saint-Esprit pour dominer au monde, pour gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Donnons une place importante au Saint-Esprit pour transformer le monde, Amen. Attirer les gens au Seigneur. Donnons une place au Saint-Esprit. Amen. 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 Vous savez, les choses qui sont dans l'Ancien Testament, c'est pour nous donner, nous servir d'exemple. Il est écrit beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, c'est pour nous servir d'exemple. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 11, il est écrit ceci. Ces choses, là la Bible parle des peuples d'Israël qui se révoltaient, qui murmuraient, et puis ils sont tombés tous dans les déserts. Alors, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et s'ils ont été écrits, c'est pour nous instruire. Amen. Pour nous instruire, nous qui sommes arrivés au temps de la fin, au temps de la fin ici. Donc ces choses de l'Ancien Testament, ces choses qui sont là, si c'est écrit, c'est écrit, c'est pour nous instruire, nous qui sommes arrivés maintenant qui sommes arrivés au temps ici de la fin. C'est pour notre instruction, dit la Bible. Vous voyez que Dieu a dit à Josué, Josué, Josué devait veiller à ce qu'il soit fort. Cela dépend de son arrivée en Canaan, où coule le lait et le miel, où il y a les bonnes choses. Son arrivée au Canaan dépendait de la force. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc Dieu a insisté auprès de Josué d'être fort. Donc de veiller à ce qu'il soit fort. Quand il a répété à maintes reprises, c'est pour lui dire que veille à ce que tu sois fort. C'est ce qui va te permettre d'arriver en Canaan. Moïse a perdu cette force et il n'a pas accompli Amen. Sa mission. Amen. Maintenant, toi, veille à ce que tu sois fort. Veille à ce que tu sois fort. Veille à ce que tu sois fort. C'est là va te permettre maintenant d'atteindre Canaan. Fortifie-toi et prends courage. Yes. Donc ces choses ont été faites pour nous servir, nous, des exemples. Moïse, Dieu a dit à Josué qu'il de veiller à ce qu'il soit fort, qu'il soit toujours fort, parce que c'est là dépend, son arrivée en Canaan dépend de la force, dépend de cette force-là. Il doit être fort. Il doit veiller à ce qu'il soit fort. Bien-aimés, nous aujourd'hui, alors, nous aujourd'hui, on voit que quelque part dans la Bible, on dit
la gloire du second, de la seconde maison est plus grande que la gloire du première maison. Aujourd'hui, nous, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Josué devait faire un effort. Il devait veiller à ce qu'il soit fort pour arriver à Canaan. Il devait veiller à ça. Aujourd'hui, nous, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans toutes nos faiblesses, pour nous enseigner, pour nous faire tout ce que nous voulons. Il est là pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous aider, pour nous aider dans toutes nos faiblesses. Josué était là, Dieu lui dit, fortifie-toi. Et il faut veiller à ce que tu sois fort, sois fort. Ça va te permettre d'arriver en Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit est là. C'est le temps du Saint-Esprit. Maintenant, là, c'est le temps du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous allons faire? Cherchons le Saint-Esprit. Amen. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu vas chercher la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'huile qui coule en toi, va déborder, ça va déborder, ça va couvrir tout ton corps et tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Amen. 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 Le Saint-Esprit est là avec nous, nous de maintenant, nous d'aujourd'hui, nous de cette génération. Dieu nous a facilité la tâche, nous avons le Saint-Esprit. Il est là, il est disponible, il est là pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous faire du bien. Il est là disponible. Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Cherchons à être remplis de ce Saint-Esprit-là. Remplissons nos cœurs, nos pensées, tout notre être du Saint-Esprit. Remplissons-nous du Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit sera rempli en nous, il va nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir l'huile qui coule à nous. Yes. Ça va déborder. Amen. Ça va déborder. Mm. Ça va déborder. Ça va couvrir. Ça va couvrir tous nos corps et nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Yes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que vous connaissez, Pierre. Tout le monde connaît Pierre. Pierre avait nié Jésus. Pierre a nié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Il a nié Jésus. Pourquoi? Pierre avait peur. Il avait peur. Non, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Jésus. 3 fois, il avait nié. Un autre moment, quelqu'un amène son enfant qui est lunatique, qui tombait dans l'eau, dans le feu. Il l'amène devant les disciples avec Pierre aussi. On amène le fils qui était malade. Personne n'a pas pu guérir ses fils. Et le papa est rentré avec son enfant. Il n'y a personne qui a pu guérir cet enfant qui était malade. Mais maintenant, Pierre est devenu une autre personne. Amen. Rempli du Saint-Esprit, il est devenu une autre personne. Amen. Amen. Lui qui avait peur, lui qui ne pouvait pas guérir les gens, maintenant il est revêtu du Saint-Esprit. Pierre est revêtu du Saint-Esprit, il est devenu une autre personne. La Bible dit que le Saint-Esprit le Saint-Esprit te saisira. Mm-hmm. Le Saint-Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à une autre personne. Amen. Tu seras changé à une autre personne. Pierre est maintenant le Pierre changé à une autre personne. Yes. Pierre est maintenant le Pierre rempli du Saint-Esprit. Yes. Et quand il marche, lui qui ne pouvait plus, qui ne pouvait pas guérir cet enfant qui était lunatique, maintenant c'est le Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. Quand il marche seulement, et son ombre est en train de guérir tous les malades qui sont derrière lui. Amen. Quand il ouvre la bouche pour parler du Seigneur, c'est
beaucoup, 3000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Quand on lui fait des menaces, quand on lui fait des menaces, Pierre n'a plus peur. Il se tient debout, il dit... Regardez vous-même. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est juste de vous, de vous obéir à vous, ou bien d'obéir à Dieu. Je ne peux pas me taire pour dire tout ce que j'ai vu et entendu. C'est impossible que je puisse me taire. Pierre n'a plus peur. Pierre s'est changé en une autre personne. Le Pierre rempli du Saint-Esprit, il est changé en une autre personne. Amen. Amen. Changer en une autre personne. Toi qui chantes aujourd'hui, toi qui prêches aujourd'hui, toi qui fais n'importe quoi, qui range le matériel, toi qui travailles n'importe, toi qui fais n'importe quel travail, cherche la plénitude du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne sera plus comme avant. Amen. Ça ne sera plus comme avant. Nous avons cette grâce, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Les prophètes d'autrefois, ils avaient désiré connaître un peu ce moment. Ils ont fait des investigations. On leur a dit non, ce n'est pas à vous, mais c'était à nous. Amen. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit, il est disponible. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et tu ne seras plus le même. Amen. Ça ne sera plus comme avant. Amen. Tu vas chanter, tu vas prêcher, beaucoup de gens seront touchés et vont donner leur vie au Seigneur. Les liens et chaînes de beaucoup de gens seront brisés. Les paralytiques vont commencer à sauter. Les malades sont guéris. Oh, les possédés délivrés, les captifs libérés, cherchent à être remplis du Saint-Esprit. Cherchent la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu vas nettoyer, tu nettoies, rempli du Saint-Esprit. Mais quand les gens vont regarder ce que tu as fait, il va dire, oh, ça brille. C'est quoi? Mais tu as fait seulement la même chose que tu fais. Mais cette fois-ci, on va te dire, ça brille. Oh, c'est très propre. Les superviseurs qui te font des problèmes, tout ce que tu fais n'est pas bien. Tout ce que tu fais, tu te donnes corps et âme. Tout ce que toi tu fais n'apprécie pas. Ils voient seulement des mauvaises choses. Sois rempli du Saint-Esprit. Il va changer le langage. Le langage sera changé. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il va changer le langage. Amen. Amen. Il ne va pas voir là où il ne t'appréciait pas. Il va t'apprécier. Là où il voyait toujours que ça ne marche pas, ça sera, le langage va changer. Amen. Pourquoi? Ce sont les effets du revêtement de la puissance. Ce sont les effets du revêtement de la puissance. L'huile qui coule en toi va déborder, ça va couvrir tout le corps et ça va toucher tout ce que toi tu es en train de toucher. Ça va aller partout dans tout ce que tu fais. C'est les effets du revêtement. Amen. Tu es revêtu de la puissance. L'huile passe partout, dans tout ce que tu touches. Et là où on te disait, ça ne marche pas, le langage va changer. Amen. Tout va changer. Tu es maintenant rempli du Saint-Esprit. C'est l'huile qui couvre partout. L'huile te couvre. Tu es revêtu de la force. Tu es revêtu de la puissance. Amen. L'huile pénètre partout. Touche partout. Tout ce que tu es en train de faire. Et quand les gens vont regarder, ils vont apprécier. Oh, Ikababa. Yondoroko Shikababa. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Le Saint-Esprit, les revêtements de la puissance des dieux. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Cherche. Il est disponible. Ça, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes les gens qui peuvent changer le monde, qui dominent
dominer le monde. C'est nous, nous ne savons pas. Je comprends quand la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Bien-aimés, cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Il est là, disponible. Revêtons-nous de la puissance de Dieu et nous allons vivre la gloire. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit, la plénitude, chercher la plénitude du Saint-Esprit implique une vie de prière en abondance. Ikababa shinere ke la bala santa. Yukuyundo shinamaba. Yakababa shinere ke la bala santa. Yakababa shinere ke la bala santa. Chercher le Saint-Esprit implique, pardon. Chercher la plénitude du Saint-Esprit implique une vie de prière en abondance. Bien-aimés, vous voyez, les disciples, ils sont montés, après tout, ils sont montés dans la... Les disciples sont montés dans la chambre haute. Je disais, la plénitude du Saint-Esprit implique une vie de prière en abondance. Amen. Les disciples, la Bible dit, ils sont montés dans la chambre haute où ils se réunissaient d'habitude. Alors, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et même le jour de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, le jour où le Saint-Esprit s'est répandu sur eux, ils étaient tous dans le même endroit. Ils étaient dans le même endroit. Bien-aimés, je suis en train de dire quoi? Crée un environnement où il y a l'atmosphère des prières. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prières. Crée un environnement où il y a l'atmosphère des prières, où le Saint-Esprit se sent libre d'agir. Où le Saint-Esprit se sent libre d'agir. Amen. Amen. Les disciples, ils n'attendaient pas le Saint-Esprit bras croisés. Nous sommes en train de dire que le jour de Pentecôte, Jésus a répandu le Saint-Esprit sur les disciples. Mais ces disciples-là, ils n'avaient pas les bras croisés en attendant le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas les bras croisés dans la distraction, dans des occupations terrestres. Ils étaient là. La Bible dit, tous persévéraient dans la prière. Quand tu fais, si dans la maison il y a des critiques, des choses comme ça, oh la musique mondaine, oh des choses comme ça, oh le Saint-Esprit n'est pas libre, ne se sent pas libre d'agir. Le Saint-Esprit ne se sent pas libre d'agir. Crée un environnement où l'atmosphère des prières, où le Saint-Esprit va se sentir libre d'agir. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Au fur et à mesure, au fur et à mesure que toi tu montes avec Dieu, au fur et à mesure que tu es en train de monter avec Dieu. J'avais dit ceci, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, au fur et à mesure que toi tu montes avec le Seigneur, que toi tu montes avec Dieu, la force de la chair est en train de diminuer au profit de la force de l'esprit. Amen. Au fur et à mesure que toi tu es en train de monter avec Dieu, les désirs de la chair cèdent la place au désir de l'esprit. Au fur et à mesure que toi tu es en train de monter avec le Seigneur. Toi qui aimais le théâtre, toi qui aimais des distractions, toi qui aimais des jeux, tu passais tout le temps dans les jeux, dans les distractions, dans l'internet, dans beaucoup de choses.
ça ne sera plus, ça ne sera plus comme ça. Amen. Amen. Ça ne sera plus comme Amen. Ça parce que les désirs de la chair, les désirs de la chair vont céder la place aux désirs de l'esprit. C'est ce que Pierre, c'est ce que Paul a dit. Des choses qui étaient pour moi des gains, je les vois comme une perte à cause de Jésus. Quand au fur et à mesure que toi tu montes avec le Seigneur, la chair diminue et, au profit de l'esprit. Et les désirs de la chair diminuent au profit des désirs de l'esprit. Amen. 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 Maintenant, tu as en toi les désirs ardents des dons spirituels. Amen. C'est les désirs ardents des dons spirituels qui t'animent maintenant. Ce qui va déclencher encore que tu puisses vivre encore de nouvelles expériences avec le Seigneur. Bien-aimé, je disais ceci, chercher Dieu, la plénitude du Saint-Esprit implique une vie de prière en abondance. La plénitude du Saint-Esprit implique que tu t'affectionnes aux choses de Dieu, que tu t'affectionnes aux choses de Dieu, que tu vives dans la sanctification. La plénitude du Saint-Esprit implique toutes ces choses. Là, le Saint-Esprit se sent libre d'agir. Amen. Amen. Je crois pour terminer, pour conclure seulement le message, je vais dire que cherche la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance d'en haut, tu vivras maintenant les effets du Saint-Esprit, les effets du revêtement. Accomplis cela d'une vie avec une vie de prière et une vie de prière en abondance et puis affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit, cherchons les revêtements de la puissance de Dieu et nous allons vivre de grandes choses. Nous allons dominer le monde, nous allons vivre de grandes choses avec notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier pour ces messages, nous allons demander à notre Dieu. Je crois que le passé va continuer. Nous allons prier. Que Dieu nous donne cette soif d'abord de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit maintenant. Que Dieu nous donne cette soif de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Afin que nous cherchons vraiment le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et nous puissions vivre de grandes choses avec notre Seigneur. Donne la soif d'aller dans tes profondeurs, la soif de te chercher dans les profondeurs. La soif d'aller dans tes 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 profondeurs. Soutiens-nous par ta grâce, Seigneur. Soutiens-nous par ta grâce, ô Dieu. Soutiens-nous par ta grâce, éternel Dieu. Par la puissance de ton esprit. Amen.
Mande bokoto shinte baba baba. Robo konto shinte bele bele. Yondo shite ya mama mama. Makante le bo shite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Robo shinte bele. Mande bo shite bele bele.